Bonsoir à toutes et à tous, et on se reprend après déjà quelques temps pour ce nouvel épisode où on a, comme on voit très bien marqué en haut, un siège. Et pas n'importe lequel, des maximums de Goblin Leader. Donc ce qu'on va faire, hein, c'est comme d'habitude, préparez-vous à boucher vos oreilles. Moi je vais mourir des oreilles ici avec mon casque quand je vais déposer. Voilà, je n'ai plus d'oreilles. Donc bon, c'est avant ce siège, j'ai laissé un peu tourner la Véville. On a récupéré quelques vitoyens de plus. Je ne sais pas si j'étais à 43 au moment de partir ou pas. Donc je leur ai demandé de continuer à mettre des choses dans des stockpiles, mais je me dis que finalement, ça va pas être si intéressant que ça de faire des stockpiles et tout ça. Donc du coup je supprime toutes les stockpiles que j'avais faites. Normalement c'est bon, je les ai toutes supprimées. On va attendre que tous les vitoyens remontent de partout. Là, donc là je ne sais pas ce qui manque pour faire ça parce que je n'ai aucune idée de ce que j'ai pu mettre ici. Ça doit être des beer traps. Pourtant il me reste du fer, ouais il me reste du fer un peu. Ah, il me reste du copper, il ne me reste pas de fer. C'est ça, donc du coup on va démarrer les mines de fer. Hop. Hop. Ouais, ça suffira, 3 mines de fer. Je pense que ça devrait suffire. Et que pendant un certain temps, ça devrait permettre d'avancer tout ça. Et ça c'est du. On va allumer aussi les mines de charbon, puisque je pense qu'il faut du charbon quand on va devoir faire des choses avec le fer. Donc les ITEs, pourquoi ils continuent à les monter? Parce qu'ils devaient être en demande pour les poser là. Sinon, ça n'a aucun sens de continuer à les monter. Ici tout est exploré, ici tout n'est pas exploré, mais. Ah bah voilà, de l'or! C'est parfait. Quelle chance on a de regarder ça par hasard. Comment ça, je ne peux pas poser de mineshaft sur de l'or? Ah, ça c'est moins drôle déjà. Bah, c'est pas grave, on va le miner. Je me serais bien fait une statue en or. Ça aurait été bien, mais donc ici il y a du minerai, ici c'est du fer et du charbon, aucun intérêt. Du minerai ici c'est du fer, aucun intérêt. Ici il me semble voir un truc important, mais ça doit être ça. Et ici il y a du fer, absolument aucun intérêt non plus. Donc au niveau bouffe, c'est juste au niveau bouffe. C'est juste. Pourtant, il y a du blé. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il n'y a rien. Ça s'est allumé. Alors, pourquoi elles étaient éteintes, ces deux trucs? Sûrement parce que je voulais les déplacer quelque part. Ça serait logique. Donc si là il y en a quand même beaucoup, tout ça. Pourquoi ils n'en font pas plus? On va encore demander d'augmenter le picking de blé. 15. Non, pas non. Là j'en cultive pas, donc on va éviter d'en récupérer. Et voilà, donc ce qu'on va faire, maintenant que ça fait 5 petites minutes. Mais pourquoi ils continuent à aller récupérer des trucs? Ils ont une file d'attente de. Ah oui, c'est vrai que j'ai quand même 43 vitoyens. J'oublie ce point assez souvent. 43, c'est quand même beaucoup. Donc mes mines de fer, je sais même plus où elles sont dans tout ça. Ça, c'est mes mines de charbon. Mes mines de fer sont ici. Et ils ne font rien pour le moment avec. Sont trop occupés à faire de la bouffe ici, ou plus précisément, comme on l'a vu là, à laguer un petit peu avant de faire de la bouffe.
De toute manière, dans ces barils, il n'y a rien. Et dans ceux-là, il n'y a rien non plus. Bon. Ça, c'est réglé. Et c'est vu. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Bah, ils sont en train de faire du fer, effectivement, pour me placer des beam traps. Qui vont me placer ici. Et bah, ce qu'on va se faire tout de suite, je propose qu'on ne continue pas à faire durer le suspense trop longtemps. On va faire une petite échelle et on va attendre un petit peu ici que le vitoyen qui nous est en train de nous construire. Oui, cette phrase est particulièrement française. Que le vitoyen qui est en train de construire cette échelle vienne nous la plaçouiller par ici. Il doit pas être très loin. Non, lui, il va encore explorationner. Alors là, il est en train de péter l'or. Ah bah j'ai 4 blocs d'or. Ça, c'est bien. Je dois sûrement pouvoir absolument rien faire avec. Ah bah l'échelle. Non. Non, c'est un héros. Un héros ne construit pas parce qu'un héros est un gros glandeur. Mais voici l'échelle. Et nous allons sûrement voir un héros très prochainement. Qui devrait descendre là-dedans. Ah, lag, 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 lag. J'arrive pas à descendre pour le voir. Voilà. Ah oui, ça a méchamment lagué un moment, je sais pas vraiment pourquoi. Si pourtant ça marche quand j'utilise la roulette de la souris, bon. C'est étonnant, avec un T devant comme dans téton. Maintenant, les héros ne devraient plus trop tarder à se rendre compte qu'ils ont une nouvelle zone complètement ouverte ou explorée, avec un T comme dans Tétonon. Et voilà, donc nous avons Avdr Boisel, niveau 24, qui explore et qui déboîte du Hobgoblin. Et petite pause. Ah! Hop! Hop! Voilà. Re-regardons Avdrur. Et je ne me rappelle plus son nom. Autre chose. Taper des gens et des machins et des bidules et tout ça. Et voilà, c'est parti pour explorationner. Ah oui, non, il remonte forcément. Il est parti pour que ces zéros partent explorationner la suite. Et on n'a plus de bouffe dans tout ça. Si, il nous reste 7 morceaux de pain. Ça suffit largement, 7 morceaux de pain. Quelques pommes, du pain, du blé, de la farine. Tout ce qu'il faut pour bien avancer et bien défoncer la tronche de tout le monde avec des slimes bleus, des goblin leaders, du dire wolf. Wolves, wolves, wolves. Et toute une nouvelle possibilité de donjon et des firehead. Ça s'annonce cool et ça s'annonce de tuer un nombre de héros absolument faramineux et très très grand. Parce que bizarrement, je sens que ça va taper quand même un tout petit peu fort, voire même un tout petit peu très très fort. Et nous avons aussi ici des sneaker blades. Qui tape sûrement peut-être un peu fort. Ou pas. Ou alors c'est juste que Sadon est surpuissant. L'un ou l'autre. Je préfère la solution Sadon est surpuissant personnellement. Et j'espère que ce coup-ci c'est un peu plus grand que tout petit comme le premier truc qu'on a eu ici. Enfin, on verra. Thibaut, non, Ligurf. C'est Thibaut, c'était son père. Est content et il défonce tout. Et donc ça c'est génial d'explorer ça parce qu'on est au niveau 7, il nous reste le niveau 8 et le niveau 9. Et si on ne crève pas lamentablement maintenant là tout de suite, genre là, bah ça va être... on va enfin réussir à faire du Towns complet. Et ça c'est quand même plutôt génial. Et ce qui est pas cool c'est que la moitié du monde est en train de remonter. L'avantage c'est qu'ils m'ont fabriqué un piège ici que c'est lamentablement manger le Dire Wolf, espèce de boulet bouletteux.
Et donc là, ah, il fait mal à Fenris quand même. Il fait mal à Fenris. Heureusement que les héros ont une régène surcheatée. Et voilà. Jocelyn est en train de détruire tout le monde. Le Firehead est sur, pas puissant du tout, légèrement, extrêmement sur pourrave, en fait. Et là, c'est déjà un cul-de-sac. C'est pas pratique. Pratiquement pas cool. Ah, ça c'est bien, ça, l'exploration. Oui, non, mais ça sert à rien de se mettre à 10 pour explorer un caillou, quoi. Enfin, voilà. Vous l'avez vu, vous l'avez vu. Ça va, elle trichote les Fenris, il ou elle, je ne sais pas. Ça trichote les gens. On va mettre au neutre. Et ça, c'est génial d'explorer de manière exploratoire. Un nouveau donjon complet et j'attends qu'ils arrivent plutôt par ici pour voir ce que à quoi ça correspond par en dessous. Bon, ici c'est aussi un cul-de-sac, ça c'est pas cool puisqu'il ne reste plus que là et là et ça part mal pour ouais bah on va encore avoir une petite alcôve alcoolique. Voilà, là c'est fermé. Et si, bon, bah voilà. C'est un très bon moment pour, même si cet épisode est très court aujourd'hui, pour se laisser là. Et la prochaine fois, on va aller faire du piercing de mur pour aller voir où est-ce que donc on peut aller donc. Et sur ce, bah, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne matinée, etc. etc. comme d'habitude. Hein. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de La Vieille Ville. Salut!